Ah, vous faites du parcours aussi? Ouais. Bon les gars, par contre j'ai pas envie que vous vous boitiez à côté, que vous tombez donc Non, on a déjà fait beaucoup de choses. Ah ouais? Monsieur, toi qui m'appelles là? Oh là là. Quel danseur! Le public! Aïe aïe aïe! Je suis avec Thibaut. Je sais pas si vous connaissez Noisy-le-Grand, mais c'est un des spots les plus grands que tu puisses connaître. Parce qu'en fait, ici, il y a au moins 10 spots différents. Il faut juste bouger un peu et tu trouves énormément de choses. Oh, on a des... Ça va, je suis fatigué. Yes! Magnifique! J'allais te suivre. Ah là là, on a fait une belle petite session là, c'était cool. Et maintenant on va réessayer ce saut que j'avais fait il y a longtemps. Et il est un peu mental, je vais vous montrer le vide tout à l'heure. Allez, un petit suspense. Oh là là, quelle force. Ok, je suis vraiment désolé pour les enfants, mais on a dû se barrer parce que c'était un peu collant quoi. Et sinon comme ça on peut pas s'entraîner. Du coup on a bougé d'endroit, on est ici, regardez. Ça fait peur. Are you ready? En fait ça fait un peu 2 mois allongé, tu vois. Oh putain! Oh là là, le sportif! Ouais, je suis pas juste un caméraman en fait, voilà. Je suis devant aussi. Je suis un acteur. Je suis un peu tout. Pouh, il l'a fait en fait. Hunger Games, je sais plus quel épisode, je l'ai pas eu. Et ils ont tourné surtout Brasil, film de Terry Gilliam, et c'est un des décors principaux. Voilà, super film. Ça va? Quel bon souvenir de Noisy-le-Grand. J'ai les fesses qui saignent. On retente ou pas? Pas du tout.
On était déjà monté, on revient et on voit il y avait un escalier là. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, bah, en fait on peut y aller mais comment on peut descendre? Mais comment on remonte? Mais non mais vous faites le saut de bras là-bas, c'est super facile. On n'arrive pas. Comment ça vous y arrivez pas? Justement c'est ça, j'arrive pas. Écoutez, je me fais ultra mal, c'est pour ça que en général j'évite les sauts de bras. Ah mais parce que... Après, on a pas trop de technique. Ah mais c'est stylé, moi je suis chaud pour y aller. Vous me suivez, après on revient ensemble. Ouais. Bah voilà. Oh, ok. On veille, hein. C'est tout noir. Ah, il y a juste un écran noir. C'est bon. Vous savez au fait que c'est dangereux ou pas? Ouais. Non mais on est professionnel. Hein. Mais je tombais une fois. Ouais, mais on est professionnel dans d'autres domaines. Oh! Wow. Il y a le canard de troisième acolyte. J'arrive, je vais faire des sauts moi aussi. Ok les gars, on est revenu sur le spot, le premier spot. Ici il y a un saut de chaperesse que j'aimais bien faire quand je commençais, à 13-14 ans. Et il est trop stylé, donc je vais vous montrer ça. Je suis niqué tout à l'heure, mec. Regarde mes fesses. Oh, mec, c'est chaud. Gros porc, attends, je me mets où? Je vais me mettre là-bas. Le quotidien d'Emilien Francis Suster dans les quartiers pauvres de Noisy-le-Grand. Ici, la drogue est une manière de vivre. C'est parti, le deal est en train de se produire. Il prévient les grands du quartier, comme on se dit, afin de distribuer la coco, la cocaïne, la CC ou encore la blanche. Okay. Un 3-6 presse. 3-6 c'est en gros je saute, tour 360 degrés et j'arrive ici. Alors juste il m'explique tout parce que j'y connais rien, hein. C'est pour ça, c'est pas pour vous, hein. C'est pas du tuto, c'est juste que voilà, c'est pour moi. Aussi pour vous si vous connaissez. Mais pas. C'est surtout pour moi. Voilà. Wesh les potos. Vas-y. Ah non non mais te mets pas devant lui. Raté. Moi je suis cap. Mais non mais c'est pas juste sauter, hein, s'il faut tourner, hein. Oh, bien, bien, bien. Il y va. Presque. Incroyable. Attention, il y a un mouchoir quand même. Ah, oui. C'est presque. Hey, mais t'as de la détente, hein. Putain. J'ai pas cru. Ah, oh là là. Non, c'est pas cool ça. Vas-y. Ah, yes, merci. Non, non. Ah,
Ouais, du coup, après ce saut vraiment pas mal du tout, on va faire quoi du coup? On va retourner au spot là-bas où il y a les sauts assez hauts. Genre, c'était plus ou moins la même hauteur, mais en fait, je crois pas que je peux les enchaîner parce qu'ils sont vraiment. Genre, c'est un 9 pieds en fait, 9 pieds et demi. Du coup, c'est assez grand pour enchaîner en percute. Percute, c'est grand. Tu pars à 2 pieds et tu enchaînes à 2 pieds, tu vois. Ouais. Ouais, bien joué. Thibaut a un peu peur pour son ami Leonardo. Bah non, mais parce que t'as vu. On dirait qu'il est amoureux. Il y a une mini crash là. Je peux pas l'avoir sauté là, à côté, voilà. Là. Oh putain. Il est fort.